Bonsoir à toutes et à tous, 18h01 et comme chaque jeudi soir, nous sommes en direct sur ZeroNet net TV. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver pour le 01 Live Webdo, le débriefing de l'actualité high tech de la semaine avec mon camarade Jérôme Colombin ici présent. Bonsoir Salut Jérôme. François. Bonsoir à tous. Et je parie que tu aimerais connaître le sommaire du jour. Écoute, tu sais quoi, j'en brûle d'envie. Alors c'est parti. Vous aussi certainement. On va parler d'un truc complètement nouveau, un baladeur pour mettre de la musique dessus. Oui, un truc complètement révolutionnaire. Incroyable. Oui, parce que mettre de la musique sur son smartphone. C'est un, un peu la loose, si vous voulez. Maintenant, il faut s'acheter un nouvel iPod et ça tombe bien puisque Apple vient de sortir de nouveaux iPods. Pierre Fontaine nous dira tout sur ces nouveaux produits dans un instant. On va parler également d'une appli très originale. Alors, ça, c'est pas pour l'iPod, c'est plutôt pour un bon gros smartphone et même pour les montres connectées. Ça s'appelle Mister Gabriel. C'est un ange gardien qui veille sur vous. et Nous recevons euh, la cofondatrice de cette start-up française qui a lancé l'ange Gabriel. Mister Gabriel. Et puis tout à l'heure, Delphine Sabatier sera là pour son Zoom Actu. Delphine a testé pendant deux mois l'Apple Watch. Je t'aime moi non plus. On verra ce que ça <laughs> donne tout à l'heure. Il y aura bien entendu nos amis du labo qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Bruno Cormier viendra nous parler d'un mini PC tout petit, tout petit, tout petit, ça, tellement tout petit. on ne voit plus. Voilà. Et puis Adrien Branco a déniché un, un appareil photo numérique qui apparemment lui a tapé dans l'œil. Oui. Hein, D'ailleurs il a eu tout monde, en appareil pour, photo. C'est un peu voilà. embêtant. Euh, celle là, j'aurais peut-être pas dû. On peut recommencer euh, ou... Non, non est on ne peut pas. On peut pas ah, D'accord. Très bien. Euh, bien évidemment, euh, vous pouvez interagir. Nous sommes en direct. Malheureusement, certains diraient hashtag #01live si vous voulez poser <laughs> vos questions et réagir sur les titres d'actualité qu'on va évoquer ensemble pendant une demi-heure. On y va Allez, c'est parti. Bienvenue. Et on commence bien entendu par notre question 01Net Orange. Vous le savez, c'est le cas chaque jeudi soir dans ce 01 live hebdo. Alors, eh bien, vous savez que donc Apple dévoile un nouvel iPod, mais au fond, un iPod, c'est-à-dire un baladeur MP3 aujourd'hui, est-ce que ça a encore un sens face au smartphone Donnez-nous votre avis, votez oui, non, ou bien euh, quelles sont vos réflexions sur le sujet. On fera le point comme d'habitude en cours de Zero Live, en cours d'émission. Voilà, Face au smartphone, le baladeur d'Apple a-t-il un sens À vous de nous le dire, on vous attend zeronet.tv.com pour voter. Mmh. Pierre Fontaine est avec nous. Salut Pierre. Bonjour. Journaliste à ZeroNet.com, spécialiste Apple, on peut le dire aussi. Ça m'arrive aussi. Et voilà, Pierre, <laughs> euh, donc contre toute attente, alors il y avait des rumeurs qui circulaient ces derniers jours, Apple a dégagé de nouveaux iPods alors qu'on pensait que... Euh, les iPods allaient disparaître. Ouais, en, fait, en fait, il a deux nouveaux iPods. On va dire qu'il a sorti un iPod Touch mis à jour avec de nouvelles couleurs qui en mettent plein les yeux. Ah ouais, voilà. Du coup, c'est moins sexy. C'est moins sexy tout de suite. Et et voilà. Un peu plus cher que l'année dernière, mais quand même mieux d'un point de vue des spécifications pour euh, contrebalancer euh, tout de suite la bon, chose. Un peu plus cher, on est dans la logique d'Apple hein. en général. On, on oui, voilà. On, on est entre 239 pour 16 Go et on arrive à 489 pour 128 Go. Ce qui. Et le prix de certains euh, smartphones plutôt correct euh, Par ailleurs, à hein, 489 euros, on commence à avoir des smartphones plutôt sympas pour Mais ce alors, prix là Il n'y a que la couleur qui change ou il y a quand même d'autres <laughs> petites choses Exactement, il n'y a que la couleur qui change et c'est oh, beaucoup Merci Mais, Pierre, <laughs> à la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir. Non, <laughs> en fait, le, depuis deux ans, le, les, les iPods en général et le touch en particulier était un petit peu en jachère. Euh, L'année dernière, on avait eu une... une pseudo mise à jour avec une, la pulse Apple A5. Alors pour ceux que, qui ont un petit peu de mémoire, c'était dans l'iPad 2, mmh. euh, dans le premier iPad mini, euh, donc c'était le, le 4S, l'iPhone 4S. Oui, c'était une puce qui commençait à dater. Oh, voilà, un une, peu, hein. une puce qui était bien quand elle est sortie, mais qui commençait... voilà. Et donc là, ils ont en fait un petit peu remis les, les choses au goût du jour. On a la même puce que dans les derniers iPhones. Donc, l'Apple A8, alors qui est apparemment un peu sous-cadencé pour avoir une meilleure autonomie et un petit peu moins de puissance, mais ça n'empêche pas qu'on euh, devrait pouvoir profiter des derniers jeux qui euh, voilà, ah, font Donc, les ballons. Malgré tout, il y a eu un refresh, voilà. on va dire hardware, voilà. avec une nouvelle puce, un nouvel appareil photo. Voilà, un nouvel appareil de 8 mégapixels maintenant. Donc, grosso modo, on a à peu près ouais. l'équivalent matériel d'un iPhone 6 euh, en, en, en termes de, de, de performance. Avec un écran d'un iPhone 5, on est d'accord Avec, avec hein. un écran 4 pouces, toujours on Retina. On est pas ouais. sur du 4-7, là. Non, non, non. Sur un... On reste sur du, sur du 4 pouces. Donc, on ne change pas le form factor. Enfin, la seule chose, alors il y a quelques changements, mais la seule chose qui, qui saute aux yeux quand on l'y quand on voit, euh, c'est qu'à l'arrière, il n'y a plus le petit emplacement pour la dragonne. Vous mmh. dire on appuyait sur un petit bouton et puis y avait une... ça sortait. On pouvait accrocher la dragonne pour se promener à la main, pour se le faire voler plus facilement. Je ne sais pas. Je n'ai jamais, jamais <laughs> vraiment compris ce, ce, cette dragonne, je dois le dire. Euh, mais donc, ça, ça a disparu. Apparemment, Apple s'est rendu compte que. Ça servait à voilà. rien. Voilà. Euh... Mais qui a inventé cette dragonne hein je... C'est ça Allez-y, je vous en prie. <laughs> je crois qu'on t'appelle sur la ligne de feu. Oui, c'est ça. Euh... La, la, la ligne SVP. Voilà. Donc euh, effectivement, changement extérieur assez minime. À part ces super belles couleurs, donc on retrouve les couleurs de l'iPhone, euh, le gris sidéral, l'argent, le doré, un bleu qui pète et un rose qui pète aussi. Voilà. Ouais. Alors bon, voilà. la question quand même, finalement, qu'on se pose. Ouais. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter un, un baladeur MP3 qui ne permet pas de téléphoner Alors, l'intérêt, il enfin, y a, y a, y a une, double, une double, voire une triple réponse. L'intérêt, euh, c'est pour ceux qui euh, ne veulent pas passer à vos iPhones, par exemple, mais qui veulent euh, bénéficier d'iOS ou pour euh, les personnes à qui on veut confier un appareil iOS, mais pas forcément téléphone. Donc, les jeunes, euh, les gens qui ont déjà un téléphone professionnel. Enfin, les euh, jeunes, voilà. ils vite, vite un téléphone hein, qui permet de communiquer. Voilà. Que, et. Euh, et il y a aussi, ouais, si euh, il y a surtout, jeune. il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Et alors là, on, on passe de l'autre côté de la barrière. Il y a un, un intérêt pour, pour Apple. Et d'ailleurs, ils l'ont bien précisé de manière assez, assez euh, carrée dans leur euh, communiqué. C'est euh, on a aussi Apple Music sur l'iPod Touch. Regardez comme il est beau l'iPod Music. Euh, voilà, vous allez pouvoir... Donc, grosso modo, c'est un petit peu... Oui, ça relance en... un petit peu l'intérêt de... Voilà. En... S'il n'y avait pas eu Apple Music, je ne pense pas qu'il y aurait eu ces, ces mises à jour de l'iPod Touch, non Je ne je, 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 je serais, serais pas aussi affirmatif, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais en tout cas, c'est un bon moyen d'aller un petit peu titiller euh, les, euh, les utilisateurs sous Android. en attendant l'application la, native qui devra arriver en septembre, euh, enfin automne-septembre, on va dire. Euh, l'application native qui devrait arriver pour, euh, pour, pour Android donc en attendant ça eh ben, si vous êtes sur oui. Android vous pouvez avoir cet iPod Touch qui par ailleurs est une assez bonne console de jeu euh, portable oui puisque rappelons le donc puisque comme c'est le dernier processeur euh, A8, voilà, on A8. A, on, il sera compatible métal, hein, voilà, le, le nouvel voilà, accélérateur de, voilà. de graphique enfin, qui, de, qui de, était, était introduit dans avec iOS 8 mmh. pour, pour 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 les mobiles ouais. Bon, euh, il faut dire que maintenant, euh, ça ne représente plus grand-chose en plus en termes de business. Non, hein, tout la à tête, fait. Hein. Tout, enfin, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que, si vous vous souvenez, il y a 3-4 ans, on avait, encore, euh, on avait encore droit en septembre à des événements dédiés euh, à l'iPod. Oui, à, à hein. C'est un communiqué maintenant, entre deux portes. Euh, au fait, euh, là je pars <laughs> en vacances, mais, euh, mais j'ai voilà. mis à Tiens, jour mon Apple Touch. Ouais, ouais. Et effectivement, euh, depuis, euh, en fait, depuis 2012, on, a, on est repassé. Euh, chaque trimestre, on est repassé sous la, la barre des milliards de revenus euh, générés par les iPods, à tel point qu'il y a deux trimestres fiscaux, euh, Apple a dit euh, bon euh, maintenant euh, les iPod Touch, qui avaient une petite catégorie à part où on donnait des chiffres précis, on les met dans une catégorie fourre-tout et ils représentent plus assez pour nous. Quoi. Hum. Voilà. Est-ce euh, qu'un jour Apple pourrait abandonner l'iPod On peut l'imaginer, pas tout de suite non plus parce que ça serait vraiment une rupture culturelle. Hein. Il faut quand même se, se rappeler que Apple est revenu sur le devant de la scène et a touché. Une, une population qui n'était pas fan de Mac grâce aux iPods et donc grâce à, à ce, cette ouverture vers, la, vers le monde de la musique et vers les baladeurs. Donc c'est difficile d'imaginer ça, mais pourquoi pas. Ouais. Mais il y a aussi une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que généralement euh, ce que dit Apple, c'est que le meilleur iPod qui ait jamais fait, c'est le dernier iPhone qui sorte. Mmh. Voilà, à noter que les iPods Anno aussi ont été mis à jour. Mais alors là, c'est vraiment ouais, du C'est de la ma belle couleur. Hein. Voilà, puisque en plus, il euh, n'y a pas iOS à l'intérieur, donc il n'y a même pas Apple Music hein, sur ces petits baladeurs. C'est peut-être une erreur d'ailleurs, parce que finalement, sur un petit baladeur, à avoir ben, Apple le, Music, ça aurait, aurait pu avoir du le sens. Le problème, c'est que pour. Euh, il faut quand même une interface assez sympa, il faut avoir une connexion au réseau euh, oui. permanente, parce qu'on stream, sauf aussi. si on passe en mode hors ligne. Après, mmh. voilà. Mais, mmh. euh, donc c'est sur des, des petits form factors comme ça, où on n'a pas forcément mis en avant la connectivité, euh, mmh. l'accès à Internet, c'est pas forcément une bonne l'idée de mettre une solution de streaming. Très bien. Merci Pierre Fontaine. Merci beaucoup Pierre. Voilà pour ces nouveaux iPods. Restez avec nous, on parle encore de mobilité, on va parler de sécurité. Si vous êtes inquiet ou inquiète par exemple en partant faire votre jogging toute seule à travers les bois, eh bien il y en a une solution pour vous. Oui, parce que rappelons que euh, Jérôme Colombin fait du jogging au Bois de Boulogne toute seule. C'est sûr qu'au bout <laughs> d'un moment, si vous voulez, euh, ça provoque des envieux et, et, et même des envies. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail faux. tout de suite, Jérôme. Non, bien évidemment. Nous accueillons. Soyons Chris... sérieux, s'il te plaît. <laughs> Nous accueillons un visage connu pour commencer, Christopher Siminelli. Ah bon Rédacteur en Noël je vous... <rire> <rire> Connu de vous deux. Euh, quand même, voilà. même, connu au vrai. moins mais de non, vous mais deux. Non, tout, mais de la... Il a même signé ouais. des autographes la semaine dernière chez Lick euh, pour notre spécial en public. Aucune comparaison avec vous, attends. Ouais, mais bon, euh, oui, d'accord. Et je continue donc, hein, et un visage inconnu, Virginie Gretz, qui est avec nous. Merci de Merci. nous rendre visite sur ce plateau de Zéro à Life, puisque vous êtes la créatrice de l'appli Mister Gabriel, que peut-être Christopher. Euh, tu vas nous présenter un petit peu Oui, alors Zoranet était partenaire de euh, la 7e édition, je crois, des App Awards. Les App Awards, c'est un énorme concours d'applications euh, euh, qui est organisé en France chaque année. Il y avait 300 applications, il me semble, euh, en tout. Et euh, Zoranet faisait partie du jury. Je faisais partie du jury pour décerner hein, le prix de la meilleure application euh, montre connectée. Et on a choisi cette année euh, l'application Mister Gabriel qui a déjà été saluée à maintes reprises. Mais euh, euh, moi, que je ne connaissais pas personnellement, je trouve l'idée euh, géniale. On va laisser Virginie... Euh, en parler, mais en tout cas, c'est une, une appli qui tire vraiment parti de, des spécificités d'une montre, et en ça, c'est déjà une super bonne idée. Et c'est vrai qu'on cherche toujours la killer app aujourd'hui sur ouais. la montre connectée. Bah, Peut-être qu'on s'en rapproche hein, avec euh, mmh. ce service. Donc, c'est une appli, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour euh, être un peu rassuré quand on. Quand on va faire du sport tout seul ou simplement quand on est chez soi, ça c'est une appli de sécurité en fait. Exactement, en fait, euh, Mister Gabriel, donc, qui tire son nom de, de l'Ange Gardien, est une, ça, on essaie de faire un garde du corps virtuel qui utilise les capteurs des montres connectées et des smartphones pour identifier des situations d'urgence comme euh, des agressions, des accidents ou des malaises. Euh, ce que, ce que l'on a fait aujourd'hui, c'est deux premiers modes qui sont le mode Walk with Me, qui est un mode sortie de métro qui permet d'identifier quand on sort du métro et qu'on doit marcher pendant quelques centaines de mètres la nuit si jamais on s'arrête ou si jamais on accélère, euh, qui va demander à l'utilisateur s'il a besoin d'aide et en cas d'absence de réponse, lancer une alerte de manière automatique. Et de la même manière, on a le mode jogging. Et on lance cette alerte depuis la montre Alors, l'alerte, le mode est déclenché à l'avance et l'alerte part automatiquement s'il n'y a pas de réponse de l'utilisateur. Donc, on va vraiment faire la détection automatique, <laughs> ce qui est très nouveau en essayant de tirer le meilleur parti des capteurs de la montre. Oui, c'est-à-dire que normalement, bon, par exemple, j'ai un problème, il euh, y a François Sorel qui me suis dans la nuit, je le connais pas bien, <laughs> j'ai un peu peur. Il faut que je sois au bout du rouleau, hein, quand même. Mais bon, admettons. A, a, a app... Il <laughs> y a des applis qui permettent déjà d'envoyer un message pour dire euh, attention, non. il va peut-être m'arriver quelque chose, etc. Et vous, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin okay. pour que, on, en fait, euh, on ait rien de spécial à faire, mais au contraire, je vais être interrogé pour savoir si finalement tout va bien. Oui, nous, euh, notre, euh, notre ambition, c'est vraiment d'aller vers euh, l'alerte automatique euh, qui pourra. Parce que dans beaucoup de situations d'urgence, on n'a pas la, le temps, euh, ouais. ni même la faculté physique ou mentale, de lancer une alerte. C'est le cas euh, de toutes les agressions où, en général, on n'a pas forcément le temps de le voir arriver. C'est le cas des accidents qu'on peut avoir à son domicile. Mais comment la montre ou voilà. le smartphone peut détecter Alors, que tu victime d'une alerte On a agression. plein de capteurs. On a plus de 10 capteurs sur la montre connectée, auxquels Apple va nous donner accès à partir de septembre, puisque pour le moment, ils sont, ils sont bridés. Okay, ouais, Et donc, on a des capteurs qui sont d'accéléromètre, qui permet d'identifier des chocs. On a la détection cardiaque, on a l'oxymètre, même s'ils ne l'ont pas tout à fait annoncé. On a plein, plein, plein de capteurs, GPS, micro, qui nous permettent tous d'en de, déduire des informations. Et nous, on va, être, on va apprendre. Donc, on construit un algorithme qui va chercher à comprendre le contexte dans lequel se situe l'utilisateur et en s'aidant de questions qu'on va lui poser, comprendre s'il est ou non dans une situation d'urgence. Il y a aussi un mode manuel qui est plutôt pas mal, en tout cas sur Android Wear. Euh, on a un petit picto. Un Logo Mister Gabriel qui est affiché en quasi permanent sur le cadran de la montre. Et voilà, si on sent qu'on est en situation de danger, il suffit vraiment d'appuyer sur, sur ce petit logo mmh. et hop, ça envoie une alerte à un proche dont on aura défini les, les, les coordonnées. Euh, Qu'est-ce voilà, qu'il fait donc, dans, Il envoie un SMS, lui dit bon courage. Ou... Alors, on envoie... envoie les coordonnées. Alors, ça, c'est voilà, on envoie un, un SMS au aux trois proches euh, qui ont été prédéfinis par l'utilisateur, en lui demandant de rappeler la personne. Donc, on donne le numéro de téléphone et on donne l'adresse et les coordonnées GPS exactes de la personne. De, donc, euh, le, le proche a toutes les informations pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et s'il si n'a pas de réponse, là, on lui demande d'appeler de, service de secours. Très bien, et bien, on souhaite bon vent donc à Mister Gabriel. Merci beaucoup. Déjà Merci. disponible alors, sur euh, donc Apple Watch, oui. donc sur iOS, sur Android pour l'instant. Sur Android, on a une version bêta, mais la, version, la vraie version va, va arriver, arriver à l'automne. puis bon jogging dans le bois de Boulogne. <laughs> Merci. Oui. Alors, bon, on vous racontera hein, Virginie, ouais. comment ça se passe. Bon, on, on revient dans un instant pour notre Zoom Actu, et ce sera avec Delphine Sabatier. On va rester dans les mondes connectés, justement. Voilà, et pour réagir, l'appli Gabriel, on a Lucien qui nous dit si la montre n'a plus de batterie, que faire Bah oui. Ouais. Mais ça, ouais, euh, ça c'est toujours le problème. Ça. Si on n'a pas de batterie, si on n'a pas de réseau, la même question. Hein. Si ouais. on n'a plus de bras aussi, ça marchera moins bien. Hein. Ça, c'est clair. Hein. <laughs> euh, on ouais. va faire un petit détour du côté du labo dans un instant avec Bruno Cormier et Adrien Branco et leur sélection au labo. Mais euh, auparavant, deux choses hashtag 01 live si vous voulez réagir en direct et nous faire part euh, eh bien, voilà, de vos suggestions concernant les sujets qu'on évoque ce soir ou poser vos questions. Et puis notre question. Zéro net Orange, Jérôme. La question du jour face au smartphone, le baladeur musical a-t-il encore une raison d'être A-t-il encore un sens Alors je ne sais pas si on peut voir les résultats je ne crois pas ce soir, mais la réponse est non à 72% selon vous euh, oui à 26%. Donc voilà. Majoritairement, on se demande vraiment à quoi sert le baladeur. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. Vous allez sur 01 tv.com et vous cliquez sur votre réponse. C'est notre notre sondage 01net Orange. Delphine Sabatier nous a rejoint. Bonsoir Delphine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Directrice des rédactions de 01net.com et c'est notre Zoom Actu de ce jeudi soir. Et Delphine, depuis deux mois, vous avez ce joujou au poignet qui s'appelle donc l'Apple Watch. Tiens, la mienne sonne juste maintenant. Ce n'est ouais. pas le moment. Je n'ai pas coupé le son, toi. Non, je n'ai ouais. pas coupé le son, là j'aurais dû, sais. en début d'émission. C'est <laughs> le gardien du bois de Boulogne qui t'appelle. Bon, On alors pour content. tous ceux qui n'ont pas de montre connectée ou qui n'ont pas d'Apple Watch en particulier, Delphine, il est temps de faire le point. Euh, au bout de, de deux mois, quel est votre verdict à la fois sur la Watch et sur la montre connectée en général Ouais, oui, déjà deux mois de vie commune, je dirais. Alors forcément, on s'attache. Hein. Et puis, je connais des personnes ici, mais je voudrais pas les dénoncer comme ça en public, hein, qui l'ont porté quelques jours en se disant que de toute façon, ça servait à rien, les montres connectées. Aujourd'hui, il faudrait leur couper le bras pour la récupérer. <laughs> Bref, c'est pas fondamentalement utile une montre connectée, mais finalement, on lui trouve plein d'utilité à force de l'utiliser quand on l'a au poignet. Bon, Delphine, justement, comme ça fait que deux mois que vous l'utilisez, quels sont les usages que vous avez avec cette montre Alors moi, très régulièrement, d'abord, je check mes mails de manière... Très Très rapide en un clin d'œil, je réponds aussi à tous mes SMS. Alors là, c'est super parce qu'on peut le faire ou vocal ou à l'écrit. Euh, Qu'est-ce que, vrai, que depuis, je fais Mes alertes infos. Vous répondez souvent à mes SMS. <laughs> ben voilà, eh ben, grâce à la montre. Et eh bien voilà, <laughs> ça c'est pratique. Alerte info en permanence. Ça aussi des défauts euh, parce qu'on est tout le temps dérangé. Et puis euh, j'utilise les appels vocaux. Je réponds aux appels, mais pas en direct sur le plateau. Mais je réponds aux appels, j'en passe. <laughs> et je me sers beaucoup du guidage aussi, plan sur la montre directement. Mmh. C'est vraiment bien, bien fait. Euh, J'ai appris aussi, messieurs, au restaurant, à ne plus poser mon iPhone sur la table. C'est beaucoup plus élégant. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. De garder Delphine. sa montre poignet, c'est beaucoup plus discret. Voilà. Et puis moi, je m'invente plein de nouveaux usages. En fait, je m'amuse beaucoup à lancer des applis et sur la watch et sur euh, l'iPhone. Et je les lance en même temps. Ça marche. C'est vraiment génial. Très bien. Écoutez, je m'amuse beaucoup, mais je ne vais pas vous faire croire que tout ça est rose quand même. Euh, le vrai problème avec l'Apple Watch aujourd'hui, c'est qu'il est en train de flinguer mon iPhone. commence ça flinguer C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe exactement Je suis très inquiète. Allez. Non, mais vraiment, il va mourir. C'est-à-dire que là, il frôle <laughs> le burn-out, mon téléphone. Il ne tient plus une demi-journée en autonomie. Euh, il est obligé de vivre sous assistance respiratoire permanente. C'est-à-dire qu'il a un cordon <laughs> auquel il est rattaché, sans lequel Allez. il ne peut faire quoi que ce soit. Parfois, ça il est perfusion. si fatigué. Oui que vraiment il met plus de 5 secondes pour ouvrir une application et c'est long et puis d'autres fois il s'éteint, il est épuisé mort, et il se paye euh, carrément un reboot total euh, pour se réparer. Ouais, le problème c'est qu'on a toujours besoin de l'iPhone, peut-être même plus sans doute plus que l'Apple Watch, après c'est le choix draconien. Oui exactement parce qu'aujourd'hui quand même soyons clairs, l'Apple Watch elle ne sert pas à grand chose toute seule euh, elle est vraiment très limitée elle est aussi euh, très lente euh, puis elle a quelques petits défauts anecdotiques mais moi qui m'énerve, par exemple elle était Toujours éteint donc je porte un écran noir au poignet, ce qui est très laid finalement. <laughs> J'ai choisi un beau fond d'écran, mais on ne le voit pas. Faut euh... le bras, il faut bouger le bras. Oui, c'est ça. Bon, enfin bon. Et en plus, elle ne le fait pas tout le temps. Vous voyez, hop, ça ne marche pas tout le temps. Il faut bouger et lever. Oui, ah, ouais, bien bah. sûr. Très... Mais vous n'avez qu'à faire <laughs> ça comme ça. En pleine canicule, là, ouais. en pleine canicule en ce moment dans Paris, je suis obligée de mettre des manches longues dans la rue pour éviter de tenter les pickpockets. ah, ah oui. oui Donc, si vous croisez Delphine en anorak, vous savez pourquoi <laughs> maintenant. Voilà. C'est <laughs> pour la mort. non Et surtout, je la trouve quand même très lente et buggée. Comment ça, buggée Elle bug carrément Ah oui, elle a des plantages. Euh, euh, régulièrement, elle me fait justement un écran noir pendant que je suis en train de checker des applis euh, je ne peux d'ailleurs pas fermer une application directement depuis ma montre. Je suis quand même tout le temps obligé de passer par mon iPhone. Je ne mm -hmm. peux pas la configurer. Euh, je suis en train de faire quelque chose d'assez pointu là, sur le cadran. J'essaye de noter des choses euh, précisément sur le petit écran. Paf, elle me balance une alerte. Je perds toute mon application. <laughs> D'accord C'est pratique. Voilà, ce n'est pas idéal. Bon. Euh, J'ai l'impression que le verdict est, comment dire, un petit peu euh, mi figue mi-raisin, non oui, mais bon, je l'aime quand même, ma montre. Je dirais que c'est je t'aime moi non plus avec l'Apple Watch aujourd'hui. Euh, et j'avoue qu'elle ne partira pas en vacances avec moi. Voilà, j'ai pris cette décision. Euh, oh. Alors, trop précieuse. Alors, trop précieuse pour partir comme ça à la plage, au soleil. Trop encombrante aussi. Hein, parce que quand on a chaud, on n'a pas envie d'avoir une Apple Watch au bras. Et puis, elle est aussi très fragile. Et je dirais que le pire dans, dans tout ça, dans ce verdict, c'est je sais qu'elle sera bientôt ringarde et totalement dépassée. Et ça, ça, ça va m'achever. Eh bien, dites-moi, si Tim Cook regarde ça, là. Euh... Ça va l'énerver. Bah non, mais il va zapper. Bah, il faut qu'il trouve quelque, il quelque est là, chose. Il un plus. remède. Ça y est, c'est fini. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Delphine Sabatier. Merci, Sinon vous Delphine. vous l'Apple Watch 2. Ouais. Ah. Bah Par oui. contre, pour la batterie de l'iPhone, il y a deux, trois trucs. Il hein. faudra qu'on se voie. Mmh. Ah bah on peut l'améliorer. Voilà. S'il ouais. <laughs> pouvait <rire> survivre encore un petit peu, il m'est très utile. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine ce 01 live oui, tranquillement. Après, Et puis après, vous faites un petit débrief tous les deux. Merci beaucoup, Delphine, directrice de rédaction de 01-Net.com. Et tout de suite, direction le Labo 01-Net. Et vous, que pensez-vous de cette euh, Apple Watch <laughs> Dites-le-nous, tiens, hashtag 01 Live, nous sommes en direct, vous pouvez nous donner votre avis et poser toutes vos questions. Jérôme, Oui. le labo est, ça y est. dignement représenté encore une fois cette semaine. Ils sont là, on vous l'avait dit, ils viennent d'arriver, Adrien Branco, bonsoir Adrien. Salut bonsoir. Adrien. Monsieur Photo, entre autres, au labo0net.com, et Bruno Cormier. Bonsoir. Monsieur Vest, Monsieur Vest, au labo il fait pour, genre ceux qui, les pour ceux qui <laughs> étaient là la semaine dernière, c'est le running gag de, ouais. de François. C'est vrai. D'ailleurs, <laughs> Je vais <laughs> arrêter de la mettre. Non mais, ah non. non, mais elle non, mais te fait ah super non. bien. Il trahit notre identité en faisant ça. Non, 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 franchement, c'est pas On, est, on parfait. est censé être mal habillé, c'est vrai, ça fait partie. De... Euh, alors, le Labo, on va commencer peut-être par Adrien qui euh, a un coup de cœur photo à nous faire partager. Ça Sony. Va. Oui, alors bon, Sony. Euh... Peut-être pour ceux qui y regardent pas trop les news photos, c'est une marque déchaînée dans le monde de la photo. Vous savez, Sony va mal dans beaucoup de segments. Mais en photo, ça fait trois ans qu'on prend annonce sur annonce sur annonce. Et là, ils ont sorti un appareil qui est un petit, un petit délire dans le sens où tout ce que nous, on a voulu en tant que testeurs mettre dans un appareil photo, Sony a tout mis. On Il a bizarre... Ils vous ont écouté presque. Non, mais ils ont surtout écouté le marché. Euh, et le marché, il veut des compacts euh, bah de, de grande qualité. Il veut des super zooms. Il veut un écran pour faire des selfies. Il veut un viseur électronique. Il veut un flash intégré. Bref, il veut tout. Et Sony a tout mis. Sony a tout mis avec le HX90V. Il y, 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 y a le GPS. Il y a l'application Wi-Fi. Sony a fait l'impasse sur le tactile, c'est une demi-impasse parce qu'ils ne les mettent dans aucun de leurs appareils, c'est un choix. Mmh. Mais comme vous pouvez le voir là sur les vidéos, il y, y a tout, il y a le viseur électronique intégré, euh, donc euh, quand il y a trop de lumière, hop, je le mets à l'œil, j'y vois quand même. Ce n'est pas euh, une super définition, mais ça permet déjà de bien cadrer. il est compact aussi, Adrien. Hein. Il est très compact, il a un zoom x30. Alors c'est un vrai coup de cœur technique, ce n'est pas un coup de cœur photo. Oui, c'est ah. ça, Alors, il a tout au niveau technique, mais -ce veut en fait, au je ne voulais image. pas lui mettre 5 étoiles, je n'avais pas le choix parce qu'il arrivait un moment euh, face à... Beaucoup de performances face à beaucoup d'équipements, euh, ben on se retrouve devant le fait accompli. C'est un super appareil en tant que photographe. Mais ben l'optique, pour moi, elle manque un peu de. Elle manque un peu de, comment dire, Elle manque de piquer. Euh, il n'y a pas le côté un peu passion. Il a un look un peu euh, quelconque. Ouais. Mais en termes technologiques, Sony a sorti une bombe. Le X90V, c'est une bombe. Euh, il est déjà 10. disponible Il est disponible, il coûte 449 euros, donc c'est dans le haut de gamme. C'est oui. ce qu'on appelle un travel zoom ou un ultra zoom. Bref, dedans vous avez un zoom x30, c'est-à-dire ah il y a ouais. 3-4 ans c'était un bridge, ça. Bah, là c'est dans la poche, non, dans la poche d'une veste par exemple. Ce qui m'impressionne c'est que voilà, que ce il est, est pas... vraiment très compact. Il est très petit. D'où et... l'intérêt de la veste. Et, hein, et, il est... et il a tout. Pour ranger l'appareil. Il a vraiment tout. Ça peut être un bon compagnon pour les vacances C'est exactement le genre d'appareil que monsieur et madame tout le monde mettent dans la poche. Les photographes, je dirais que non, parce que pour moi les images manquent. De caractère, manque de piqué de certaines choses. Euh, mais pour euh, le Queen Am Lambda, c'est-à-dire, euh, on part en famille, on veut un grand angle, on veut un gros zoom. Bah, c'est l'appareil parfait. Et ouais, un zoom 30 dans un petit machin comme ça, c'est super cool. 449 euros. On ouais. rappelle la, la référence, Adrien C'est le Sony HX90V. Si vous voulez économiser quelques euros, il y a le HX90 sans le GPS. Mais bon, pour euh, 10 balles de plus, avoir le géotagging des photos, ça peut être pratique sous Lightroom ouais. ou euh, sous Picasa pour positionner ses photos sur une carte et faire euh, l'histoire d'un trajet aux États-Unis, par exemple. Merci beaucoup, Adrien. Vous pouvez retrouver le test complet sur zeronet.com. Comme bien sûr, il vous attend. Comme tous les tests du labo, bien entendu. De la photo, on passe. Euh, on passe quoi au PC ou au smartphone, Bruno bon, Pour rester dans la photo, on peut. On peut commencer par le smartphone ouais. puisque c'est ah, un bon smartphone si. spécialisé photo. C'est le Lenovo Vibe Shot. Okay, Alors bon. Je pense que oui, il est très beau en plus. Un, un il ajoute. est très joli, cerclage en métal, deux plaques de verre, triple flash. Euh, capteur 16 mégapixels, euh, stabilisation optique. Si tu peux le montrer à la caméra qui est juste derrière toi, voilà. Voilà. Alors... C'est la face arrière Il est, est, il est ici, vraiment... Toi. Derrière, il est vraiment designé comme un appareil photo en fait. C'est assez... Euh... C'est assez sympathique. Donc, on Mais vient juste de le recevoir. C'est euh, quelque chose qui est courant, ça On n'a pas l'impression de voir beaucoup de eh smartphones ben Non, non, c'est nouveau, puisqu'en fait, c'est un smartphone chinois. <laughs> <C 'est rire> parce que je suis toujours dans mon exploration des smartphones chinois. Alors là, j'ai réussi à, euh, à, à prendre ce, ce Lenovo, à, à l'avoir. Ça a été assez, assez difficile. Je pense qu'on sera l'un des premiers en France à faire le, le test. Euh, pourquoi c'est difficile Parce qu'il n'est pas vendu en France il est vendu qu'en import et que pour l'instant euh, il était euh, avec une, euh, un logiciel qui était un peu à bêta, si je puis dire. Donc voilà, je me suis totalement arraché les cheveux à le mettre à jour, à le mettre à jour en fait. Euh <laughs> il faut que tu arrêtes. Des... <laughs> voilà, j'en ai plus du tout là. Ce que ça donne, c'est pas, là, pas joli, joli. Donc juste avant, de lui mettre, feu, euh, si. juste avant de lui mettre le feu, j'ai réussi en fait à le mettre à jour. Donc ça va fonctionner, on va le tester entièrement. Euh, j'ai déjà commencé à tester les photos, c'est assez euh, excellent. En fait, c'est très propre. Euh, c'est peut-être un peu lent au niveau du déclenchement par rapport à d'autres mmh. appareils, euh, mais c'est très propre en tout cas. La qualité d'image est vraiment euh, hyper Donc, clean. Première impression positive. Oui. Euh, en plus, euh, l'écran est magnifique, euh, super bonne qualité d'écran. Est-ce qu'on sent euh, du Motorola à l'intérieur Parce que rappelons que Lenovo a acheté Motorola. Oui, mais non, en fait, parce que en fait, les, la production de smartphones de Lenovo a Sinon commencé avant comme le rachat de Motorola. À l'odeur non, mais on aurait pu se dire qu'ils auraient pu s'inspirer. En 2012, au CES, les nouveaux présenté son K900, ouais. qui était un terminal quasiment aussi beau que ça, destiné au marché chinois. Et ils avaient déjà une énorme production de smartphones domestiques, les nouveaux devenus chinois. Donc, non, ils ont un savoir-faire de visu. Pour moi, ce n'est pas du tout un Motorola. C'est vraiment un nouveau typique. Oui, en plus, puis euh, bien en fini, fait, hein. les, les ingés restent euh, séparés pour l'instant, en tout cas. Et euh, donc, en fait, ça, c'est du, du, euh, du pur smartphone 100% chinois, il designé en joli. Chine, conçu par des ingénieurs chinois et fabriqué en Chine, évidemment. Yeah. <sighs> Et euh, il est très joli et honnêtement c'est très encourageant parce que le logiciel cette fois-ci est excellent une fois qu'il a été mmh. mis à jour et euh, voilà donc euh, le test chic, même, euh, de, la semaine prochaine sur the webnet c'est hyper chic d'avoir de, de, des smartphones en import qu'il faut commander euh, en étant initié euh, etc euh, alors euh, c'est hyper chic euh, c'est euh, je dirais Un peu que une torture au début euh... il faut adhérer au club bruno corne <laughs> ouais. euh, le problème Déjà, si est... vous n'avez pas de veste vous rentrez pas que hein. tu sors t'as vu celui-là il celui n'y a que moi qui l'ai en France le problème des smartphones chinois c'est Souvent le, le logiciel. Bon. Hein, les logiciels ne sont mmh. pas forcément adaptés à l'Europe. Donc euh, là, celui-là euh, a fini par être adapté. Mais euh, voilà, donc euh, bon, c'est intéressant parce que c'est un pays qui est en train de totalement exploser au niveau euh, ingénierie, quoi. Pas seulement au niveau fabrication. C'est fini euh, la fabrication en Chine. Maintenant, c'est la conception. Quoi. Et oui. Le HTC M9 Plus qui va arriver, un processeur MediaTek Made in China, development China. Et qui est sans doute excellent. Oui, oui. En plus. Oui. Euh, on enchaîne avec un autre petit appareil, quoique un peu plus gros, mais c'est pas un téléphone, jamais, hein Bruno. Non, c'est pas un téléphone, c'est minuscule quand même, donc on peut le voir ici. Euh, c'est en fait euh, un mini PC. Un mini fax. Non, c'est un mini PC. Et alors c'est tout petit, vous voyez là, par rapport à la taille des ports USB, des ports USB qui sont montés à l'envers. D'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont fait ça là-bas vite. Euh, voilà, ils, ils ont monté tous bon. les ports USB à l'envers. Bon, c'est pas très gênant, hein, <laughs> puisque à la base on ne sait jamais si un port USB oui, à l'endroit oui, ou à l'envers. Vous avez remarqué, en général, c'est une fois sur deux, statistiquement, voilà. on va se dire, mmh. qu'on qu tombe bien et qu'on tombe mal. Moi, c'est souvent mal, on, on le met, ça marche pas, on le retourne, ça marche pas, et Mais on là, le remet on a ça marche Exactement. C'est magique. Je me écrire un livre là-dessus. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc euh, voilà. Donc en fait, euh, qu'est-ce que c'est hein C'est euh, vous, vous vous souvenez du NUC euh, d'Intel NUC, euh, c'est euh, le mini PC, micro PC d'Intel avec un processeur Intel. Là aussi, en fait, c'est le même. En fait, c'est le même avec un boîtier légèrement différent, euh, designé MSI. Donc ça, c'est taïwanais cette fois-ci. Euh, c'est exactement la même carte mère Intel à l'intérieur. Euh, cette fois-ci, on peut pas mettre de disque dur euh, 2 de pouces et demi, c'est-à-dire au format à peu près standard, parce qu'il est il est vraiment minuscule. Il Est tout petit, euh, on peut mettre un SSD au format MSATA. Euh, il est extrêmement silencieux. Euh, un i il a un Core i3 à l'intérieur. Euh, bon, c'est tout à fait suffisant pour de la bureautique, pour internet, mm. pour du multimédia. Euh, il est alors l'avantage la, de ce MSI, de ce modèle précis, c'est que MSI euh, le vend, contrairement à Intel, euh, au nuque d'Intel, il le vendent avec une barrette de RAM un disque dur de stockage euh, et euh, surtout Windows euh, parce qu'en en fait les, les mini PC souvent c'est des, des PC oui. qui sont vendus ah oui, sont sans kits. rien en fait ce qu'on voilà. appelle les Berbone où il faut rajouter la barrette de RAM il faut rajouter le disque dur il faut et installer le se logiciel payer une ouais. licence Windows et voilà, voilà c'est ça alors Donc, que là tout est tout est à l'intérieur Là 529 euros tout est tout est à l'intérieur avec 128 Go de SSD 4 Go de RAM euh, Windows 8.1 bientôt Windows 8 gratuitement du coup euh, Windows 10. Windows 8, euh, 10 pardon euh, et, Bon voilà, c'est juste, euh, c'est nickel pour euh, les gens qui... Euh qui veulent avoir un tout petit mmh. PC de salon ou alors le mettre sous la télé, euh, il y a une sortie HDMI, euh, ça décode parfaitement le Full HD jusqu'à 60 images secondes. Alors la faiblesse de ce mini PC c'est qu'à l'intérieur il y a deux emplacements pour les barrettes de mémoire vive euh, mais il n'y a qu'une seule barrette et donc du coup ça diminue euh, la puissance du processeur. Donc euh, c'est quand même conseillé de, de rajouter une deuxième barrette pour augmenter d'à peu près 10 à 20% la, la puissance du processeur notamment dans les jeux en 3D. Tout ce qui implique en fait le travail du circuit graphique, euh, donc euh, les jeux en 3D et euh, le décodage vidéo. Euh, par exemple, là, euh, dans cette configuration, il ne peut pas vraiment décoder de la 4K. Euh, c'est vraiment très très limite. Euh, alors que si on rajoute une deuxième barrette de RAM, euh, on, on a plus de bandes passantes et là, ça va décoder la 4K sans aucun problème. Donc euh, c'est la faiblesse de mm. ce petit PC, mais bon, euh, il est quand même très bien. Il est classé huitième de nos classements de mini PC que vous pouvez consulter sur 01net que je vous invite fortement à, à consulter puisqu'il y a à peu près tous les mini PC du marché. Il ah, faut comprendre euh, que c'est une, ah, oui. ah bah oui. une lubie de base. Hein. Les smartphones, les mini PC, on les voit arriver. Euh, nous, on a l'impression que c'est tout est Bruno, ce qu'il faut fonctionne à la passion. Mais c'est ce qui rend attachant, cela dit. Hein. Moi j'aime. oui. J'adore les mini PC. Merci ça. beaucoup Bruno. Très bien. C'était le symposium sur le mini PC <laughs> avec euh, Bruno Cormier. Donc. Ouais. Alors, on termine avec une petite. Question Allez, une, pour une petite question. Euh, une question pour Adrien. C'est Jean-Pierre qui nous demande les compacts photos ont-ils encore un intérêt face aux smartphone euh, Qui nous C'est Jean-Pierre. C'est ça qui pose oui. la question. Jean-Pierre bah, poil je... sur Twitter. Mais Jean-Pierre, oui, ça a un, un avantage. Ça en a un qui s'appelle le zoom. D'abord. Mmh. Euh, sur ce petit. Sony. Bah là, vous avez un zoom 30x avec votre smartphone. Vous êtes uniquement en grand-angle. Donc, on est bien clair. Il y a quelque chose qui perd énormément de sa force au grand-angle. C'est le portrait. Donc mmh. euh, regardez bien, les, sm les smartphones, on peut faire des portraits, on les recadre. Euh, mmh. C'est un peu compliqué mmh. euh, de faire des, des beaux un portraits. Un zoom optique, 30x. Voilà, voilà là voilà. Sur il y a un zoom numérique qui est vraiment euh, très moche. Euh, Alors la petite geekerie de photographe, le, le zoom numérique n'a pas la même valeur qu'un zoom optique. En plus. Quand vous zoomez optiquement, il y a un jeu de perspective qui fait que ça compresse les perspectives, les visages, et les détails ressortent beaucoup plus. Comme l'image est en grand angle sur un smartphone, vous allez recadrer, mais vous avez beaucoup trop d'espace entre les plans et il n'y a pas ce même effet d'impact. Donc, ça en a un. Et ensuite, euh, ce qui va avoir aussi comme avantage, c'est qu'il a un viseur. Donc, en plein jour avec votre, votre iPhone 6 comme ça, vous n'y voyez rien ou n'importe quel smartphone. Là, j'ai un problème. Je vise, pardon. Je zoome et je peux faire un selfie pas avec la caméra frontale, mais avec. Le vrai oui. capteur. Et un selfie qui aura une autre qualité que. que oui, enfin après smartphone. ça reste un selfie. Ouais, C'est un vrai. autre débat. <laughs> ah, ça n'a pas Non, j'en ai non. Merci beaucoup Adrien. Merci, Merci Bruno Cormier. Eh bien voilà, ce 01 live 2 est terminé. Ouais. On sera juste là euh, la semaine prochaine. Juste un point sur la question orange. Le baladeur musical a-t-il encore une raison d'être face au smartphone Là encore. Mmh. Eh bien, votre avis, c'est non à 72%, oui à 26%. C'est assez stable. Hein Depuis tout ouais. à l'heure, on voit qu'il y a quand même une immense majorité d'entre vous qui pensent que ben voilà, le smartphone aujourd'hui remplit tous ses usages sans aucun problème. On évoquait la photo aussi, et c'est vrai que c'est un peu le couteau suisse. Hein, multimédia aujourd'hui, le smartphone, ça fait mmh. tout. Euh, on sera là la semaine prochaine pour le dernier 01 Live Hebdo de la saison. Voilà. Mmh. Euh, et puis, d'ici là, euh, n'hésitez pas à nous suivre tous les jours, bien sûr, à nous liker un petit peu partout à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, euh, et puis on et vous prépare des petites choses pour cet été, mais on vous le dira, on vous dira ça en détail plus tard. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à demain. Ouais, merci à Bérangère pesqueur, Florian Beaufreton et Jérôme Giliberto. Sans qui, eh bien nous ne serions pas là. Voilà, tout simplement. Salut à tous. Allez, ciao bye.